Foot est fait, bonjour. Philippe, le saviez-vous, le préfet Philippe Gustin paie sa taxe d'habitation pour le logement qu'il occupe à Saint-Claude, la résidence préfectorale. Qu'il appartienne à l'État ou qu'il soit loué par un bailleur privé, le logement de fonction d'un préfet est considéré, aux yeux du fisc, comme sa résidence principale. Il doit donc payer la taxe d'habitation. Or, les lieux s'apparentent souvent à des quasi-palais abritant d'immenses salons. Ils offrent un toit aux représentants de l'État, mais ils servent aussi à accueillir des personnalités pour des repas de travail, des réceptions officielles. En fait, seuls 150 mètres carrés de ces résidences sont officiellement affectés au préfet. Ils ne paient donc que sur 150 mètres carrés. Joël, à Capesterre-Belle-Eau, certains habitants de section, privés régulièrement d'eau, parfois plusieurs jours de suite, ceux-ci des années durant, ont, depuis que Joël Beaugendre est président de la CASBT Grand Sud Caraïbes, de l'eau au robinet. Comme quoi, l'eau au robinet, parfois, une simple question très politique. Christian Baptiste, maire de Sainte-Anne, a lancé un pavé dans la mare politique en disant qu'il faut que les maires sachent s'entourer de techniciens qui aiment la Guadeloupe, qui ont le sens de l'intérêt général. Quand on voit la liste des directeurs et chefs de cabinet, voire les directeurs techniques et autres chefs de services municipaux ou de collectivités, on peut parfois, pas tout le temps, se poser des questions. Pour ce qui est de remercier les partisans, nos maires savent faire. Pour ce qui est de chercher des techniciens éprouvés, c'est parfois une autre paire de manches. Guy Losbar, maire de Petit-Bourg, président de GUSR, le 12 juin, il sera à Capesterre-Belle-Eau pour un rassemblement accueilli par la section locale avant le congrès à Petit-Bourg la semaine suivante. L'occasion de préparer le congrès des élus que va convoquer Josette Borel-Lincertain à la fin du mois. Donc tout le monde va être sur le pont à Capesterre, à Petit-Bourg et ailleurs. Laurent, la Cour d'appel administrative de Bordeaux vient de rendre sa décision sur les sommes dues par la CRSBT Grand Sud Caraïbes au SIAC de Laurent Bernier, qui depuis quelques années alimente en eau les communes de Capesterre, Terre de Haut, Terre de Bas, à la place de la SBT incapable. La CRSBT devra verser plus de 3 millions d'euros à titre de provision au SIAC, en attendant que ce dernier produise un état détaillé des sommes dues. Bonsoir et à demain.